Et non, mais il fait un bruit, on doit être à la police. Ah, c'est bon. We're on camera. So now we're on camera, yeah. You know that. Alors, on a Urgence, toutes les deux, San Clemente et les habitants. Moi, j'aime beaucoup Urgence, c'est pour ça que je l'ai ramené en premier choix. C'est sûrement celui-là, mon préféré, mais on les aime tous beaucoup, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est une référence, au même titre que d'autres qui sont dans le même courant documentaire que lui. Mais ouais, c'est une grosse référence. Je pense pour beaucoup de tout le monde qui fait du documentaire en 2016, c'est une des grandes écoles. Voilà, je suis vachement content de l'avoir rencontré. Cette semaine, on est très très heureux et très honorés d'avoir chez nous Raymond Depardon et Claudie Nougaret. Donc voilà, on va peut-être les applaudir déjà. Alors, c'est toujours assez impressionnant et puis difficile parce que d'être face à Raymond Depardon, parce que c'est une carrière immense. Là, on le reçoit en tant que cinéaste, mais c'est une carrière immense de photographe aussi. Ça mériterait presque un biopic. C'est un appareil photo offert très jeune par son frère à 12 ans, après apprenti dans l'agence pigiste. Vous venez de Villefranche-sur-Saône. Mais on apprend tout ça aussi en connaissant vos films, parce qu'ils font aussi partie de votre filmographie. Et vous avez fondé l'agence Gamma. Après, vous êtes allé chez Magnum. Vous avez voyagé. Vous avez suivi. Bah c'est un peu un monument de la photographie. Vous avez suivi. Vous êtes allé en Indochine, en Algérie. Vous avez traversé toute cette moitié de siècle. Et ma première question, c'était aussi de savoir comment, qu'est-ce qui fait qu'on a envie un jour de passer derrière de l'appareil photo à la caméra, d'une image fixe à une image qui bouge finalement. Comment ça se passe à un moment, cette envie-là? Oui, bonsoir. D'une manière très naturelle. En fait, moi, j'avais vraiment envie de faire du cinéma avant de faire de la photo. Mais je n'étais pas très scolaire, j'avais que mon certificat d'études, même les écoles de Louis Lumière qu'on appelait Vaugirard à l'époque n'étaient pas possibles. Donc j'avais une 9-5. Mais en fait, mon rêve, c'était de faire du cinéma. Je ne sais pas, j'allais à la garderie, au cinéma de l'école. J'ai vu quelques, comme tout le monde, Les Disparus de Saint-Agile. Vous savez pas, mais c'est un film de Christian Jacques. Qu'on a dans les bacs. Qu'on projetait sans arrêt. Donc en fait, voilà. Et puis tout doucement, j'ai fait aussi de la photo en même temps. Voilà. Et c'est vrai que je suis parti d'assez loin parce que mes parents étaient des gens très modestes. Ils avaient une ferme. J'étais pas doué pour reprendre cette exploitation. Et voilà, j'ai pas grande possibilité. Et j'ai écrit à des photographes, comme ça, à Paris. Et il y en a deux qui m'ont reçu, trois qui m'ont reçu d'ailleurs. Un photographe de portrait à rue de Tolbiac, très gentil. Une agence américaine, Atlantic Press. Et puis un monsieur dans l'île Saint-Louis, Foucheran, qui avait. Louis Foucheran. Et donc, je me rappelle, j'avais amené quelques photos comme ça. Et je suis venu tout rouge parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que faisaient mes parents. Alors, j'ai dit, c'est agriculteur. Bon, voilà. Mais enfin, voilà. Et puis, je suis arrivé à 16 ans. Après, donc, il m'a logé c'est une chance parce qu'il m'a pris tout de suite comme apprenti. Parce qu'il ne savait pas faire grand-chose. Et puis, j'ai vu comment tout ça fonctionnait.
Et voilà. Et, mais dès que j'ai pu, j'ai pris une caméra et j'ai voulu faire du cinéma, mais ça, ça a pris du temps. C'est de la timidité, c'est le fait d'être impressionné par... C'était un, quand même, malgré tout, un moyen quand même, même si c'était en 16 mm, tout ça, c'était un moyen quand même assez cher, et puis il y avait, c'était pas, c'est pas simple, quoi, parce qu'il y avait le son, etc. Donc d'où après, mais quand j'ai fondé l'agence Gamma, beaucoup plus tard, il faut qu'on double ce qu'on va faire en photo, on va le doubler en caméra, donc d'accord. On a acheté une éclair 16, on avait toujours le problème du son, donc c'était le journaliste qui faisait le son. Puis tout doucement après, j'ai rencontré Claudine, donc voilà le problème. Mais le son était très important, le son direct, voilà. Parce que, au fond, finalement, ma chance, c'est que... Claudine... Nougaret, oui, Nougaret, voilà, qui produit mes films qui, et qui est aussi, surtout... qui est votre épouse aussi. Qui est ingénieur du son. Mais au début, parce que j'ai eu de la chance, c'est que dans mon agence, j'avais une vingtaine d'années, j'étais dans une agence... très paternaliste, l'agence Dalmas, et j'avais un rédacteur en chef, il m'a dit, il faut que tu ailles voir les Américains, les films, voilà. Il y a comment ils commencent à apparaître, on peut commencer à les voir, Drew et Leacock, tu vois, ils font du cinéma direct, c'est-à-dire, je vais te prêter une caméra, tu vas aller sur les quais, et tu vas faire des plans séquences. Uh-huh. Alors, des fois, j'avais même pas de pellicule, donc il me dit, tu coupes pas, uh-huh. Pendant 10 minutes, tu marches, tu serres les fesses, et tu marches avec ta caméra, ouais. Sans couper, ouais. Et dès que tu vas sur, tu descends sur les chaussures, après tu montres un visage, tu suis quelqu'un, tu vas sur quelqu'un d'autre, ouais. Une espèce de plan séquence comme ça, un petit peu, on en voit encore un peu dans certains films de Jean Rouch ou tout ça, de Chris Marker, c'est des plans un peu qui, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'il n'y avait pas de steadicam à l'époque, ouais, ouais, ouais. Mais c'était l'idée de ne pas couper. Alors, ça a eu un avantage pour moi primordial, c'est que quand je me suis retrouvé un jour dans un avion avec un candidat, comme en ce moment-là, un candidat de droite qui prenait l'avion et qui, pour le journal Le Point ou L'Express, j'étais le photographe, enfin, je devais faire des photos, et j'étais seul avec lui, ce monsieur, c'était Giscard d'Estaing. Et j'ai fait 3 photos, puis j'ai arrêté. J'avais pas l'air d'être très bon. Il m'a donné Time à lire. Bon, je lisais pas l'anglais. Et puis au retour, j'ai fait le retour avec lui, toujours seul avec lui. Et là, l'hôtesse de l'avion, un petit avion location, un avion à réaction bien sûr, a dit, est-ce que vous voulez du verre de champagne? Et il a dit oui, et moi j'ai dit oui aussi, et je crois qu'on n'avait pas mangé, et là, et là c'est là que tous les cinéastes américains me sont revenus, bien sûr, parce qu'ils avaient déjà en 60 fait des films sur des campagnes, sur Kennedy, avec des caméras aussi, où tout était, le plan séquence et le son. Et ça fait que je ne me suis pas retrouvé comme un photographe à faire des plans, comme des photos, je me suis retrouvé un vrai cinéaste. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est une chance inouïe, parce que c'est Serge... Vous avez filmé la campagne. Oui, c'est Serge, non mais même, c'est Serge Danet qui disait, je suis un peu un miraculeux, parce que théoriquement, les photographes, quand ils passent au cinéma, ils font de la photo. Mmh. Et ça n'a rien à voir, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une continuité, une durée, il faut que ça soit en liaison avec le son, il faut avoir un casque, il faut... Et donc moi, je me suis lancé comme ça, un petit peu, avec mon verre de champagne, et je lui ai dit, mais il faut faire un film. Sur votre campagne, il m'a dit, mais la télé va le faire. Et moi, là, bien sûr, vous imaginez, j'étais un jeune photographe, assez... j'ai dit, la télé, n'attendez pas d'eux, ils sont insupportables, ils vont jeter les bobines le soir après le passage du journal télévisé. Ce qui était un peu vrai. Ils jetaient, quoi, les films. Tout ce qu'ils faisaient, ils jetaient, quoi. Ce qui passait par l'antenne. Ah bon, mais c'est pas possible, etc. Bon, enfin, bon, peu importe. Et il m'a dit, ça va coûter cher, parce qu'il était auvergnat, quand même, bien sûr. Et je lui ai dit, non, moi, faisons un essai, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un film produit par l'agence Gamma, sans budget, sans rien, mais où j'ai, dans ce film, j'ai eu des moments où j'ai pas coupé.
où voilà, le son est très important, puisque voilà, vous avez une réunion entre... Vous imaginez une réunion entre de stratégie entre les deux tours d'un candidat, maintenant ça serait impensable, et il n'y avait pas de directeur de com pour m'empêcher de faire ce film. J'ai l'impression que oui, les gens étaient peut-être moins habitués à l'image, et il y avait quelque chose, ben, vous avez eu accès à... il était ministre des Finances à l'époque, oui. C'était au Louvre. Et il y avait une sorte de décontraction aussi. Ils ne se méfiaient pas. Ils ne se méfiaient pas comme les... Alors par contre, effectivement, ils s'étaient... Mais c'était un grand séducteur aussi. Non, ils ne s'étaient jamais vus. Parce que c'est à l'époque, maintenant, les candidats se regardent. Là, vous voyez, ce soir, il y a un débat. Et ils ont tous préparé. Là. Les gens se préparent avec des caméras vidéo. Voilà, il y a des coachs. On leur dit ce qu'il faut faire. Attention, il faut aller plus vite ou je ne sais pas quoi. Bon. Et Giscard d'Estaing, qui était pourtant bon, un polytechnicien, tout ça, grand commis d'État, il ne s'était jamais vu à l'image. Et un peu comme quand, la première fois, on s'entend dans un magnétophone. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que le film est resté 27 ans bloqué. Il a trouvé ça irrévérencieux, c'était oui, son mot. Ça, voilà. Voilà, c'était pour lui, c'était pas... Et le film est sorti en 2000, quelque chose. 2002, voilà. C'est ça. Parce que ce qui est très important dans ce cinéma-là, c'est le rapport, le son et l'image. Bon, voilà, moi, avant de rencontrer Claudine, moi, je mettais mon micro sur la caméra. C'était une caméra film. Ça ne se faisait pas. Mais moi, j'étais photographe, donc au-dessus de deux, moi, c'était la foule. Donc, je n'aimais pas trop nombreux. Et donc, avec Claudine, on a continué. On a fait des films, voilà, tous les deux. Il y avait le Nagra qui existait, voilà, quand même. Le Nagra, le Quentin. En 1974 Oui, après, plus tard. On a commencé pour Urgence. Le premier film qu'on a fait ensemble, j'étais au Nagra, mais encore, oui. Claudine. Le premier film qu'on a fait ensemble, c'est en 1987. C'est Urgence, et j'avais le Nagra. Il n'y avait pas de... Le numérique est arrivé en 92 en France, et c'était des DAT. Et le vrai numérique, c'est 2003 en France, vraiment. Les vrais magnétophones de qualité numérique français 2003-2004. Ce problème du son, ça c'était vraiment quelque chose d'important et d'handicapant dans la façon de filmer, dans la façon de peut-être déranger aussi le sujet qu'on filmait ou Oui, parce que d'ailleurs c'est Leacock. Leacock, il dit, moi je prends pas de caméraman, parce que effectivement ceux qui faisaient du cinéma traditionnel avec des claps et des pieds ne pouvait pas faire ce cinéma-là. Et donc, il disait, Leacock, il disait, je prends des photographes. Parce qu'il fallait complètement... Il fallait peut-être pas être cinéaste, parce qu'il fallait bouger, il fallait s'avancer, il fallait reculer, et il fallait... Voilà, il y a tout un mouvement, il y a quelque chose... Si vous voulez, dans la photo, il y a l'instant décisif. On le connaît, vous le connaissez par les photos de Cartier-Bresson, mais vous voyez bien, c'est un mouvement qui est très précis, où on règle l'appareil d'avance et on fait des photos sans regarder. Et si vous voyez, par exemple, des amoureux, vous ne les regardez pas, parce que si vous les regardez, ils vont vous regarder et la photo est foutue. Donc, enfin, c'est toute une théorie qui s'est faite dans les années 30, grâce à un petit appareil qui s'appelait le Leica. Qui n'est pas votre théorie. Oui, ça, c'est la grande théorie de l'instant décisif. De Cartier-Bresson. On a tous suivi plus ou moins. Mais c'est vrai que ça fait des photos formidables. Parce que c'est des photos qu'on aime beaucoup. Parce que c'est des photos, des instantanés, qui sont assez... Bon, c'est un style. Eux, c'était compliqué parce qu'ils venaient... Il y avait la peinture, il y avait tout ça. Nous, dans les années 60-70, c'est un peu la même chose. Il y avait la fiction lourde. Il y avait la nouvelle vague. Il y avait la fiction lourde, il y avait plein de choses. Donc il y a un certain nombre de gens, en France, où on n'était pas... Il y a Chris Marker, Jean Rouch, voilà, qui avons, grâce à ces petites caméras, films, et surtout, il n'y avait pas de fil entre le magnétophone et la caméra, d'un seul coup, il y a eu une écriture nouvelle. Cette écriture nouvelle, elle a les mêmes principes, elle n'est pas très loin de l'instant décisif, c'est... on tourne, il faut qu'il y ait quelque chose, ça relève un petit peu de quelque chose qui se fait entre le sujet et vous. Ouais. C'est-à-dire que le regard caméra est exclu. Voilà. Hein, parce que c'est comme en photo de Cartier-Bresson. Si la personne vous regarde l'appareil, la photo est foutue. Ouais. Vous voyez, et là, l'appareil, c'est un peu la même chose dans les plans séquences. Donc il y avait toute une école comme ça
qui a balbutié au début parce que on n'a pas les caméras de maintenant, bien sûr, ça c'est sûr, et les petites caméras qui sont incroyables maintenant, que j'aurais bien aimé avoir moi à cette époque-là. Et mais c'est toute une langage, c'est tout un, c'est vrai que ça nous a, ça, parce que quand on est dans des endroits, toujours avec Claudine, on a tourné dans des endroits difficiles. C'est toujours des endroits difficiles. Un documentaire se fait toujours dans des endroits, voire soit c'est des paysans qui n'aiment pas être faire filmer, qui sont difficiles, soit c'est des urgences. L'urgence, c'était l'hôpital de oui. L'hôpital Dieu, l'hôtel Dieu. Soit c'est des handicapés, c'est des malades mentaux. Sans Clémenté. Soit c'est des hommes politiques non plus, qu'ils ont, bah, c'est compliqué. Parce qu'il y a... Donc il y a toujours tribunaux, quelque chose. Les tribunaux. Les tribunaux, toujours, il y a toujours quelque chose d'assez difficile. Donc il faut se faire oublier. Alors, à partir de là, bon, bah, y a plusieurs écoles. Et c'est sûr que si vous êtes en fiction, bah, c'est vous qui maîtrisez tout. Oui. Hein. Tandis que si vous êtes en documentaire, vous avez plutôt intérêt à ce que les gens ne fassent pas ça pour la caméra. Oui. Parce que ça serait gênant. Oui. Parce que ça voudrait dire que, voilà, après, ça se voit, ça se sent. Donc, il faut tourner longtemps. Oui. Et à la bonne distance, pas trop près, pas trop loin. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Claudine, ça a été pour moi une libération, puisque j'étais très près avant, puisque je faisais le son moi-même. Il y a eu deux, trois films, il y a eu fait reporter, fait divers. Et quand on a commencé à tourner, moi je me suis reculé. Oui. Avec, ouais, voilà, je me suis reculé parce que Claudine s'avançait, elle, par la perche. Oui, oui. Oui, c'était... Et il y a tout un art de la perche. Donc c'est exactement comme la caméra. Donc il y a une espèce de jeu de jambes. Voilà. Alors, c'est Claudine, vrai que... vous voulez nous parler de l'art de la perche? Ouais. Non, mais je pense que effectivement Raymond, l'avantage que le plaisir que j'ai eu à travailler avec Raymond, parce que j'étais déjà ingénieur du son quand j'ai rencontré Raymond. C'est que contrairement à beaucoup de gens d'image, il écoutait déjà. Il avait fait des films tout seul, avec un micro sur la caméra. Il s'était rapproché des gens pour les entendre dans les commissariats, dans le film Fait divers ou dans le film Reporter. Et le grand plaisir, c'est qu'il y avait une connivence au niveau du son. Il comprenait l'importance du son dans les documentaires. C'est toujours difficile pour les ingénieurs du son de travailler avec des gens d'image qui ne pensent qu'à l'image et au beau cadre et à la belle lumière. Et qui n'ont pas forcément conscience que ce qui se dit, c'est peut-être plus important que l'aspect esthétique de l'image. Et Raymond avait déjà compris ça, donc je pense que c'est pour ça qu'on a pu faire un tandem épatant à partir de Urgence. Ben oui, quand même. Elle est modeste parce qu'elle avait fait un film qui est très très important, qui est un peu à part dans le cinéma français, qui est Le Rayon Vert. Ah, Le Rayon Vert d'Éric Rohmer. Qui a été fait avec Rohmer, bien sûr, et trois femmes. Non, on n'était que deux. Une à l'image et une au son. Et après ce film-là, on m'a appelée que pour travailler toute seule, parce que je l'avais fait toute seule. Donc j'étais un peu triste. J'essayais de faire des gros films commerciaux. Je me disais, mais pourquoi j'ai le droit qu'à faire des films fauchés, des cahiers du cinéma. Mais bon, finalement, ça m'a plutôt réussi, quoi. Et on va arriver, parce qu'on n'a pas tout l'après-midi, mais aux habitants et à cette question du dispositif aussi, qui est Les Habitants, qui est votre dernier film, et à ce dispositif assez particulier qui est de traverser la France avec cette petite caravane et de faire parler les gens. Et c'est un sacré parler, oui. Les laisser parler, pas les Alors, faire parler. Alors, quand on a fait Délit flagrant avec Claudine, c'était des très longues négociations parce que c'est la première fois qu'une caméra entrait au palais de justice de Paris. Et vous imaginez que les magistrats, ils n'étaient pas trop... Et à la fois, je suis content d'avoir été le premier à être entré avec une caméra. Il y a un moment, c'était un procureur, M. Cotte, qui était un monsieur formidable, qui avait travaillé avec Badinter. Et pendant 7 ans, je venais le voir. Et puis, à un moment, il m'a dit... Je lui ai dit, mais je pourrais filmer peut-être, j'ai été encore, parce qu'il me laissait dans les sous-sols du palais de justice, il y avait ce truc que personne ne connaissait, c'est qu'après le commissariat, la personne était arrêtée avec des menottes, et il allait quelque part, mais il allait devant un substitut du procureur. Et là, il y avait une espèce de truc complètement surréaliste.
avec un face-à-face avec, dans un bureau, dans les sous-sols, où les deux personnes étaient face-à-face. Et moi, j'ai dit à Cotte, un moment, je lui ai dit, je vous propose de filmer de profil. Et là, il m'a dit... Filmer de profil avec la table. Oui, voilà. Voilà. Donc, je serai de profil. Je ne ferai pas un champ contre-champ, je ne ferai qu'un plan. Et lui, il avait le code Napoléon, qui était marqué, la personne doit rester anonyme. Et il m'a dit... Est-ce qu'un profil est anonyme ? Alors, bien sûr, le code Napoléon avait été écrit très longtemps, et donc toutes ces personnes, tout ce parcours, les gens doivent rester anonymes. Et il me dit, mais après tout, le profil, on peut le considérer comme anonyme. Et c'est un peu comme après, pour des dixièmes chambres, Jean-Marie Coulon a aussi triché. Bah, il n'y avait pas vraiment de profil, là, on voyait vraiment... Non, lui, alors c'est formidable, parce qu'il a fait appeler, il a fait amener le texte par sa secrétaire, il a lu le texte, les audiences sont interdites d'être filmées dans la continuité. Et il se retourne vers moi, je n'ai pas vu le coup, là, il me dit, vous allez couper. Oui, je vais couper. Bon, bah alors donc, ça sera des moments d'audience. Vous pouvez y aller. Vous pouvez filmer les audiences. Donc, c'était vraiment des exceptions parce que c'est des... Les habitants. Les habitants, donc, c'est pour ça que le profil ne me faisait pas peur. Voilà, parce que je savais qu'il marchait, parce que ça avait été ma surprise dans les flagrants. Est-ce qu'un déféré et le substitut... Est-ce que ça allait être intéressant comme ça, de profil tous les deux? Donc après, et en fait, ça marchait très bien. C'est un peu comme au théâtre, au fond, on voit des fois, les acteurs sont de profil, bien sûr. Et c'était le son, bien sûr, qui donnait la présence. Donc c'est un peu pour l'idée aussi, que je me suis dit, si on se balade comme ça avec une vieille caravane... Voilà. Mais il faut recontextualiser quand même, parce que se balader avec une vieille caravane... Ça n'a pas été à n'importe quel moment, c'était après les attentats de Charlie, c'était un moment où vous aviez un projet en Afrique auquel vous avez renoncé et vous êtes dit, peut-être que ce qui a filmé, c'est ce qui se passe dans l'Hexagone en ce moment. Et peut-être. Oui, parce qu'entre-temps, j'avais beaucoup travaillé sur la France avec la chambre, je m'étais baladé et puis j'allais boire des cafés et j'entendais les conversations comme ça. Avec la chambre, c'est-à-dire ? Une chambre photographique. Photographique, oui. Ouais. Et donc, j'entendais les conversations. Et je me suis dit, si je vais avec un micro, bonjour, qu'est-ce que... Bon, on peut pas refaire le coup de Jean Rouch et d'Edgar Morin, est-ce que vous êtes heureux dans Chronique d'un été. J'aurais pu d'ailleurs, bien sûr, on pourrait d'ailleurs encore, bien sûr, mais je me suis dit, de quel droit je vais arrêter les gens? Je vais faire un micro-trottoir comme France 3? Non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je ne peux pas faire... Et c'était beau, j'entendais les conversations. Ben, on a tous entendu les conversations. D'ailleurs, des fois, les conversations sont encore plus belles quand on ne voit pas les gens. Et on entend comme ça les conversations. Et je me disais, ça, c'est formidable. Et puis je voyais que les gens prenaient du temps un peu à ces conversations. Parce que peut-être qu'il y a moins de stress dans ces villes moyennes, comme ça. Vous étiez où? Dans quelle ville moyenne? Oh, ben, j'ai tout fait. Hein. J'ai venu d'Europe au sud. Mais c'est... Voilà, il n'y a pas de transport énorme. Bon, voilà, en 10 minutes, vous allez au travail, quoi, bien sûr. Alors, du coup, ben, je peux te voir à 9h moins quart. Peu importe, il y avait des conversations. Les gens prenaient plus de temps. Mais à Paris aussi, on prend du temps quand même pour des conversations. Mais disons, je voyais qu'il y avait des conversations. Et je me disais, si je leur dis, voilà, je suis là, sur le trottoir, j'ai un petit studio, en l'occurrence une caravane. Est-ce que vous pouvez pas continuer la conversation que vous avez là? Hein? Moi, je ne pose pas de questions, attention. Je vous laisse une demi-heure, et voilà. Ouais. Très bien. Bon, oui, pourquoi pas. Allez. Et donc, il y a plein de gens qui ont accepté. Voilà, c'était le principe, quoi. Ah oui, mais alors après, c'est qui est... Vous aviez une directrice de casting une assistante. Qui faisait une sorte oui, de... parce que c'est des fois difficile pour un homme. Moi, j'avais fait beaucoup de pubs. En départ, c'est la pub dans les années 90. Ils faisaient ça, qu'ils appelaient des castings sauvages. Non, mais parce que c'est un vrai boulot d'aborder des... Donc, il y avait des gens... Donc, moi, on me mettait avec des gens de casting sauvage pour faire des films de pub. Je dis, pour des accidents de la route, pour des gens comme ça, des choses comme ça, des grandes causes. Donc, les gens arrêtent dans le métro, à la sortie du métro, et font un polaroid, et c'est tout le temps des femmes, bien sûr.
ils prennent leur nom et tout. Est-ce que vous accepteriez? Les gens, ils disent que ces pays vont bien. Oui, d'accord, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, c'était intéressant. C'est la première fois, moi, dans les années 90, où j'ai vu des gens faire du casting sauvage. Mmh. Le mot n'existait pas, bien sûr, parce qu'il n'était pas question de prendre des comédiennes. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui, effectivement, s'approche des gens en leur disant, mais n'importe quel assistant peut le faire. Ou... Mais tu as fait un film qui s'appelle Paris. Oui, moi, je pense. Voilà, voilà. C'était l'idée aussi, l'idée. Vous avez vu, non? Non, j'ai pas vu Paris. On a fait un film qui s'appelle Paris, c'est l'histoire d'un garçon qui cherche une fille pour faire un film et qui embauche une autre fille qui fait du casting sauvage. Et c'est un film qui se passe à Paris, qui est formidable, où on a un panel d'hommes et de femmes parisiens dans les gares. Et pendant tout le film, il demande aux gens, racontez-moi votre vie pour voir si on peut faire un film ensemble. Enfin voilà, c'était une aparté pour dire que ce personnage-là, on le connaît bien. C'était l'idée, parce que à cette époque-là, les Allemands étaient déjà plus en. Certains anglo-saxons étaient déjà plus en pointe que les Français, tout ça. Ils faisaient déjà des films sur des particuliers, sur des quidam. C'est-à-dire, ils suivaient une jeune femme à Berlin, et qui avait son fiancé, qui avait son travail, et ils faisaient déjà un film sur ça. Nous, on n'en était pas là. Vous voyez, je veux dire, on n'en était pas là. Ça n'a jamais été une tradition française de faire ça, le close-up, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est plus anglo-saxon ou nordique, nord de l'Europe, quoi. Poursuivre une conversation dans une caravane, mais est-ce que c'est vraiment la même conversation qu'on poursuit? Est-ce que ben, vous leur posez pas de questions? Non, mais on ne saura jamais, parce que effectivement, parce que moi, j'ai trouvé plutôt. Ils savent qu'ils sont filmés, qu'ils sont enregistrés. Vous leur donnez pas de consigne, certes, mais il y a une vous attendez quelque chose aussi. Alors on a prévu ça. Donc d'abord, c'est vrai que le profil est incroyablement, les gens sont très naturels, beaucoup plus naturels que s'ils étaient face caméra. C'est sûr que voilà, mais ça serait valable pour tout le monde. Moi, je crois que si vous avec votre ami, votre copine, votre femme, peu importe, vous papotez de profil, si vous répondez à une caméra, c'est pas la même attitude. On avait dissimulé la caméra aussi, parce que c'était pas pour la cacher, pour faire une caméra cachée, mais c'était pas la peine qu'ils voient la caméra. C'est impressionnant, une caméra, ça a des retours vidéo, là, je sais pas quoi, ça a des retours, ça a des... Bah, je sais pas quoi. Ça sert à rien de montrer ça. Donc, ils le voyaient pas. On était à 1m7, donc j'avais... voilà, et moi, je faisais la navette. Claudine installait un micro-émetteur, puis il y avait un système de perche. Et puis on voit l'extérieur aussi. Et c'était surtout ça quand même. Donc l'astuce, c'était de trouver des caravanes anciennes. Et d'ailleurs, j'ai été obligé de trouver des caravanes de collection qui n'étaient pas vert teintées. Voilà, des années 60. D'ailleurs, elle est à vendre. On n'arrive pas. Ou à donner même. On a à donner parce que. Donc l'idée, c'était un petit peu que effectivement, qu'il y ait, derrière, il y a un fond. Et que voilà, on a fait un qui nous permet d'identifier aussi la région aussi, oui, un peu. Ça change de décor. Au départ, quand même, il y avait l'idée de faire un film sur les différences d'accent en France et la façon de parler des Français. Voilà. À la grande surprise, il y a quand même une uniformisation en France et on n'a pas trouvé tellement de différences. Il y a des différences d'accent. Quand oui, mais enfin, des particularismes comme les ch'tis, comme les gens à Nice, mais il n'y a pas tant que ça. Nous, on a été surpris. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de différences par pays. Parce que vous savez, en France, il y a beaucoup de pays et de différences de façon. Et en fait, il y a une uniformisation qui vient, je pense, de l'écoute de la télé, de la radio. Et on parle un peu tous pareil maintenant. Différences générationnelles aussi. On parle pas entre les jeunes qui parlent entre eux et les. C'est sûr que. Quand on voit, par exemple... C'est les accents qui ont disparu. Oui, d'accord. Dans Chronique d'un été, on voit un peu sur les grands boulevards, là, par exemple, Marceline Loridon, effectivement, les gens, ils ont des accents parisiens. C'est incroyable, des vrais accents parisiens qui ont un peu tendance à avoir disparu, même sur les grands boulevards. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous êtes plus jeune, mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, moi, j'étais surpris quand j'ai revu le film. Il y a des accents comme ça. Mais on en avait eu un peu quand on a tourné, mais c'est déjà il y a 30 ans. Au final, on n'a pas tant de ça. Aux urgences. Des accents très prononcés. Non, on pensait même être obligé de sous-titrer. Non, mais les jeunes. Non, mais parce que les jeunes, c'est vrai qu'il y a des. Quand ça débite un peu et ça parle très vite, c'est. Oui, à la fin, on a quelques jeunes qui sont assez incompréhensibles, mais pas tant que ça, finalement. C'est pas.
On a tourné une centaine, je ne sais plus. Combien d'heures 42 heures de rush, j'ai lu ça quelque part. C'est énorme. 90 coupes, on a fait. Oui, 90 coupes. Moi, j'ai commencé. On a commencé par le Nord, mais j'ai. Comment vous avez fait pour choisir? Vous avez choisi des villes précises. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a photographié la France pendant 4 ans avant pour faire le travail qui s'appelle La France, qui a été présenté d'abord dans les régions de France et après à la BNF. Donc c'est un énorme travail photographique de 10 années. Après, on a fait le film Journal de France, où on a reconstitué l'itinéraire de Raymond en Copica. Et après, maintenant, les habitants. Donc la France, Raymond, il connaît bien. Hein. Non, mais c'est vrai que... Il y a des villes que je ne connaissais pas, donc et des villes que j'aimais bien. Voilà. Et donc c'est un petit peu les feelings comme ça. C'est sûr que j'aurais pu faire tout le film dans le Nord. Ça, on sait bien que le Nord, c'est incroyable. Les gens, c'est étonnant parce qu'il y a une espèce de, à la fois de pudeur et à la fois d'incroyable liberté, quelque chose. Je savais que le Sud allait être dur. Parce que le Sud, contrairement à l'idée préconçue qu'on s'en fait, n'est pas si bavard que ça. Il faut savoir que, par exemple, dans les années 60, au début du documentaire, les gens qui allaient tourner dans un hôpital à Aix-en-Provence, c'était le bide total, personne ne parlait. Et les gens qui allaient tourner à Armentières, ils avaient des choses extraordinaires. Mmh. Il y a des documentaires comme ça, mais même plus que n'importe où, parce que... Les gens parlent comme ça, et vous approchez de la caméra, ils vous parlent. Alors, je me suis dit, je ne vais pas me laisser emporter non plus. Voilà. Donc, j'ai fait équilibrer 4 nord, 4 sud. Et puis après, on est passé à l'ouest, le Grand Ouest. Donc, de Bayonne jusqu'à la Bretagne et Cherbourg. Et puis, j'ai eu envie quand même... j'ai un ami qui a vécu, qui est né à Villeneuve-Saint-Georges. Et un jour, j'y suis passé, etc. Puis je suis retourné, je ne sais pas pourquoi, un hasard. Et j'ai dit, tu as vécu quand même dans une ville, parce que je vous conseille Villeneuve-Saint-Georges, parce que bien sûr que j'avais le choix, vous imaginez, les villes de banlieue, mais Villeneuve-Saint-Georges est très particulier, parce que c'est une ville de femmes de ménage, au départ, comme ça. Elles arrivent vers 6h du matin, elles rentrent de la Défense, avoir travaillé toute la matinée depuis très tôt, toute la nuit. Il y a 70 communautés, il y a beaucoup, beaucoup d'Antillais, énormément de monde. Et je me suis dit, tiens, voilà, vraiment, parce que je vais tourner. Et à un moment donné, je me suis dit, je veux compenser aussi par Versailles. Je me suis dit, oh, ça sert à rien. Versailles, comment c'est. Donc, c'était compliqué pour moi. Je voulais pas non plus tomber dans la caricature. Et je pensais que Villeneuve-Saint-Georges était une ville un peu à part. Voilà, c'était un peu pour ça que j'ai voulu terminer sur Villeneuve-Saint-Georges. C'est toujours le risque de se dire, déjà... Qu'est-ce qu'ont à se dire les gens? Est-ce que ça peut être des conversations banales, sans intérêt? Qu'est-ce qu'il y a en tiré? Et est-ce que sociologiquement, je suis fidèle à ce à quoi là? C'est les critiques que je pense. Alors, que vous avez entendues souvent. Alors, par rapport au film. Est-ce que le film, on voit peu de Parisiens, peu de classes aisées, plutôt des classes populaires, classes moyennes, basses et hautes. Mais voilà. C'est vrai que. Les gens qui sont dans la rue, qui sont avec des amis, sont souvent pas des directeurs d'usine ou des patrons, voilà. Des notaires, voilà, c'est sûr. Alors on a essayé le plus possible de compenser, mais on a quand même eu, alors on nous a reproché ça, de pas avoir assez de classe moyenne ou de classe libérale. On en a quand même un petit peu, parce que j'ai fait attention, parce que moi je les voyais, les gens repartaient, ils avaient des motos ultra modernes, etc. Mais c'est vrai que peut-être que on connaît moins bien les gens en province qui travaillent et qui ont de l'argent, parce qu'ils ne s'habillent pas tous non plus comme des costumes cravates, donc on ne sait pas bien, on sait, au fond. Au fond, on ne sait pas bien. On ne connaît pas très bien nos contemporains. On a des profs de fac, mais qui n'ont pas l'air du tout de profs de fac. Et on a des médecins, on a des...
Et on a tous plein d'a priori sur ce que c'est qu'une classe aisée et sur la façon de parler, parce que c'est la fiction qui nous donne ces a priori. Parce que dans la fiction, les gens, ils sont effectivement en costume cravate et ils parlent pointu et ils parlent branché. Dans la vie, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de particularismes. Mais c'est des questions que vous vous êtes posées quand même au moment du montage, du choix, de l'équilibre, des enchaînements. Pas trop pendant le montage, parce que le montage, c'est vraiment fait. Moi, je monte beaucoup en projection. C'est un luxe. C'est-à-dire on ne se posait pas la question. En fait. Oui, oui. Non, mais la monteuse, c'était une femme, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a Claudine qui fait le son, il y a une monteuse, etc. Pauline Gaillard. Il y a beaucoup de femmes. Bon, c'est vrai que je suis entouré par ce genre de film, beaucoup de femmes, parce que je pense qu'elles écoutent mieux que les garçons. Bon, j'avais quand même... Mais bon, voilà, c'est une constante de mes films, souvent. Mais au départ, on a regardé les roches, comme ça, sans a priori. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce regard condescendant sur les gens sont pauvres, les gens sont riches. Enfin, on se met jamais comme ça, quoi. Alors qu'il y a certaines personnes dans le public qui nous disent « Vous n'avez que des pauvres ». Je sais pas, on est choqués que les gens puissent parler comme ça, parce que c'est pas du tout... Quand on voit les gens, quand on parle avec eux, on se dit pas « Il est pauvre, il est riche, c'est des êtres humains, et on est en France, on n'a pas des a priori comme ça ». Et c'est vrai que là, tu abordes le fait que tu travailles avec des femmes, mais c'est un film féministe, parce que c'est un film qui donne la parole aux femmes. Et les femmes françaises racontent des choses... assez difficile sur la façon de vivre et dans les relations de couple. Et souvent, quand on nous reproche d'avoir que des pauvres, c'est des gens qui supportent pas le féminisme. Donc c'est un peu... Voilà. Préparez vos questions. C'est, voilà. C'est... Non, mais quand on a filmé... Donc j'ai beaucoup monté en projection. Donc on a regardé. Voilà, il y avait des... Vous savez comment... Bon, je ne vais pas revenir sur... Ma devise, c'est j'aime les temps faibles et je les remonte en temps fort. C'était quelque chose que j'ai eu toujours du plaisir à faire. Juste développer juste 30 secondes. Ben, c'est vrai que comme moi, j'étais photographe de presse, donc quand j'ai commencé à faire mes films, c'était des films personnels, donc un petit peu pour moi. Et je voyais bien que là, il fallait que je filme des choses comme ça, où il se passait pas grand-chose, mais il fallait avoir confiance, au cinéma, à mes pères et à tout le monde, en disant, bon voilà, je sais que ça coûtait cher, c'est moi qui payais quelquefois, donc une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, et toujours rien. Et en fait, c'était souvent un peu laborieux, même dans des endroits qu'on peut penser que c'est facile à filmer, des commissariats ou des asiles psychiatriques. Et puis, au moment donné, c'est exactement comme en photo, il naît quelque chose de magnifique. Et contrairement à la photo, en cinéma, il faut avoir la naissance de l'action. Vous ne pouvez pas le prendre en cours de route. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Vous avez une conversation de flics dans un, je sais pas, n'importe quoi, dans un car de police secours. Il faut que vous ayez le début de la conversation en disant, tiens, à propos, j'ai oublié de te dire. Donc, si t'as pas ça, tu peux pas démarrer la séquence. Après, effectivement, elle va se dérouler, il faut pas couper, il faut rien bouger, il faut pas interrompre les gens. Il a confiance en toi, ça fait 3 mois qu'il te voit avec ta caméra, il fait plus trop ça. Et puis à un moment donné, il dit, mais je sais pas quoi, et voilà, il commence à se libérer. Ça, c'est ça qui est magnifique dans le cinéma direct, documentaire. Je dis pas que c'est la vérité, mais on s'approche de quelque chose qui est quand même, voilà, plus près que d'une caricature, des séries ou des films de fiction, ou de certains films de fiction. Les films de fiction qui sont très bien retrouvent ça. Et donc la conversation en disant, bon, j'ai eu un pendu ce matin, ou j'ai magnifique. Voilà. Donc il était beau ce pendu. Oh. C'est dommage, Raymond, vous ne l'avez pas eu. Donc tu dis rien, parce que effectivement, c'est aussi, mais on peut comprendre, parce qu'ils ne sont pas débriefés, ces gens-là. Ben oui. Et donc à un moment donné, la seule façon de se débriefer, avoir eu des faits divers durs, ils vont raconter ça. À leur façon. Ouais. on va préparer peut-être un extrait des habitants. Quand on photographie François Hollande, les temps forts, les temps faibles,
C'est comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on demande à un président? D'abord, tout le temps, quand on est photographe ou cinéaste, vous démarrez toujours à passer d'un temps faible. Il faut se dire que c'est un temps faible. Vous avez 20 minutes pour faire la photo du président. Vous avez, vous êtes toujours dans les temps faibles. Mais voilà, vous gagnez un petit peu 10 minutes en disant j'ai pas fini, il faut encore un peu plus, encore un peu plus. Voilà, toujours. Ça. Et c'est vrai que. Mais vous le briefez, vous lui demandez, il y a un cahier des charges. Mon brief il est intérieur, c'est-à-dire que je suis un artisan au fond, je pars du point de vue différent, je me dis quel appareil photo tu vas prendre. Et quel appareil photo vous avez pris? Voilà, alors je me suis dit, Raymond, on est en 2014, je sais pas quoi. Voilà. 12. Il faudrait peut-être que je fasse une photo en numérique quand même pour une fois. Donc je me fais prêter un numérique, je fais marche arrière, je fais photo. Bon, voilà. Après avoir, effectivement, j'ai aussi des influences. Et effectivement, comme vous, j'ai été au cinéma et c'est Ava Gardner, moi, des gens comme ça. Et je savais que j'avais lu... Vous photographiez François Hollande, vous pensiez à Ava Gardner. Oui, absolument, parce que Ava Gardner était une des plus grandes stars américaines, mais la plus difficile à photographier. Parce que d'abord, c'est une brune, je suis désolé pour les brunes. Et c'est ce que disaient les grands chefs opérateurs américains d'Hollywood. Donc, ils disaient, elle est très dure à photographier, donc la seule solution de bien éclairer Ava Gardner, c'est un seul arc, c'est des projecteurs qui n'existent plus maintenant, de très loin, sur son visage, adouci à un moment entre l'arc et elle. D'accord. Donc j'ai dit, est-ce que je peux amener un camion avec un projecteur et mettre un adoucisseur, un seul adoucisseur pour une trame. Monsieur François, un voile. Adouci. Mais c'est la même chose pour Avedon. Avedon, et lui, il dit, mais il va plus loin. Avedon, il dit, ça se voit dans les pupilles. Ouais, il faut pas, parce que si vous mettez plein de projecteurs, après, dans les gros plans, ça se voit les projecteurs dans la pupille. Ouais. Donc il faut une seule source. Ouais. Donc c'est ce qu'ils appellent des boîtes à lumière. D'accord. C'est plutôt des photographes qui font des boîtes à lumière. Donc moi, je suis resté très bête, une boîte à lumière. Et en fait, la boîte à lumière marchait sur 4 mètres. Après, avant, c'était sous ex, et après, c'était sur ex. D'accord. Donc, j'ai fait 50 fois les 4 mètres. Mais après, c'était fini. Donc, j'ai offert un numérique. J'ai vu que c'était pas... Bon, d'accord, c'est une photo en numérique. Après, je me suis mis... Peut-être que c'est Leica. La photo, c'est au Leica. Bon, j'ai pris mon 50 mm Leica, le fameux, et tout ça, qu'on garde toujours, et qui ne marche que avec des grandes photos. Bien sûr, parce qu'il faut faire une grande photo pour que ça marche. Mais bon, j'ai vu que c'est pas mal, mais c'est pas bien. Mais je me suis dit, et quand j'étais jeune photographe, j'avais un Rolleiflex spécial qui a été fait à 2000 exemplaires. Et j'en me suis servi pour faire les paysans dans leur cuisine. Et c'est un appareil formidable, un Rolleiflex, avec un grand angle. Et il n'est pas traité, c'est un vieil objectif. Et j'ai assez confiance en lui. Et voilà, c'est avec lui que j'ai... Voilà. C'est un format carré, voilà. Photo officielle, Rolleiflex. Ce qui a fait dire aux paysans de la vie moderne qu'ils sont très fiers d'avoir le même photographe que le président. Quoi. Ben oui. Une question peut-être, et on monte l'extrait. Ouais. N'hésitez pas, profitez-en. Vous parlez du fait que le film était féministe parce qu'il donnait la parole aux femmes, mais j'ai aussi trouvé qu'il l'était parce que quand il donne la parole aux hommes, on a énormément de machos, enfin, c'est impressionnant. Est-ce que c'était un constat ou est-ce que c'est le fait d'avoir sélectionné ces gens qui rend cette impression? Mais il y a beaucoup de moments où on se... moi, ça m'a fait très peur. Oui, c'est vrai que peut-être dans son inconscient, la monteuse... C'est pas ta faute à toi. Oui, si, c'est ma faute. Non, mais c'est vrai aussi. Bon, peut-être que cette conversation... Non, on n'avait aucun préjugé, a priori. Je veux dire, on a eu moins d'hommes, bien sûr, on avait toujours moins d'hommes.
On était dans la journée, bon voilà, et on a quand même eu des, voilà, un papa et son fils, des deux garçons. On a quand même essayé d'équilibrer le plus possible. Moi, j'ai essayé le plus possible d'essayer d'avoir des commerçants, voilà, tout plein de choses. Non, mais peut-être que c'est encore quelque chose qui, voilà, qui est encore très présent en France, quoi. Plus qu'on ne le pense. Autre question. Bonjour. Moi, j'avais une question. C'était, vous parliez de la bonne distance tout à l'heure, ni trop loin, ni trop près. Et c'est quoi dans la bonne distance? Comment vous faites pour obtenir autant de naturel? La bonne distance, c'est complexe. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se... vous n'êtes pas un caméraman, ce n'est pas la caméra cachée. Il faut toujours se montrer. Il faut être là avec sa caméra. Je dirais même qu'il faut l'exhiber, des fois, la caméra. Sur un appareil photo, il faut le montrer. Moi, je sais que j'ai des amis comme ça qui se sont fait avoir, et notamment dans des lieux clos difficiles comme en Afrique ou le monde rural. Par exemple, quand j'ai fait le long repérage pour le monde rural, sur les paysans, en Lozère, en Haute-Loire et de partout, dès le premier jour, bon, c'était des approches difficiles, hein. Parce qu'il fallait être introduit par un maire, par un facteur, etc., les conversations. Et moi, j'étais obligé de raconter ma vie beaucoup plus que ce qu'il me racontait. Mais l'important, c'était qu'on rentre un peu en contact et puis qu'un jour, ils me disent « Ah ben, je suis content de vous voir ». Et ça peut prendre un an. Je suis content de vous voir. Et donc, effectivement, j'avais toujours mon appareil. Parce que le piège aurait voulu... que je n'aurais pas d'appareil, je n'aurais jamais montré une caméra, je n'aurais jamais rien fait, et un beau jour, je serais venu avec une caméra. Et là, il m'aurait dit, attendez, c'est une trahison. Moi, c'est Raymond Depardon, individu, que j'ai accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas... Donc après, il me disait, votre appareil, vous ne le quittez pas, quoi. C'est un peu comme ma fourche, moi. Ben oui, c'est le couteau, la fourche, mais bien sûr. Oui, ben oui, il faut jouer au con. Et puis, alors, en plus, des fois, ben, moi, il faut savoir se faire quelques voix. C'est les paysans, ils ont été à gogo. Hein, parce que, finalement, ils ne me connaissaient pas. Et c'est bien, c'est sûr. J'ai fait une faute. C'est que j'ai fait des films pour la sécurité routière. Et ça, ça a été repris dans tous les journaux de région. Midjib, etc. Raymond Depardon fait la campagne. Et alors, d'un seul coup, ils m'ont dit, mais alors, vous êtes connu, mais vous allez faire la sécurité routière. Je dis, oui, oui, c'est une commande, etc. Parce qu'ils me disaient, vous êtes vieux, vous avez un appareil, parce que je m'étais aperçu qu'il ne fallait pas amener un Leica avec eux. Parce qu'avec un Leica, vous savez, un Leica, c'est un appareil qui est formidable, mais dès que vous en avez fait une, c'est un peu comme le chocolat, vous avez tout de suite envie d'en faire une deuxième. Et tac, 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 tac. Et là, c'est pas bien. Parce qu'ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces photos? Et j'ai senti que le seul truc qu'ils voulaient pas... Méfiant, oui. Ils m'ont dit, vous allez les vendre en carte postale en bas dans la vallée. Où j'ai senti, là, j'ai dit, non, non. Alors je suis venu avec un moyen format. Un appareil, il faut armer, il y a 8 photos, il y a un papier, je ne sais pas quoi, vous savez. Et là, c'était bien, parce qu'on était un peu à égalité. Des fois, j'arrêtais, comme le relais flex, quoi. C'est-à-dire, au bout de 12 photos, vous arrêtez et puis vous chargez le film, quoi. Vous voyez, c'est le contraire du numérique, parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit trop mitraillé. Donc, il y a toute une approche qui fait... Là, c'est spécifique aux paysans. Donc, quand on est venu avec Claudine, après, avec une caméra, ils étaient habitués à me voir un peu obsessionnel de l'appareil photo, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Parce que si j'ai... Ouais. Et puis, on n'avait personne qui nous regardait aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est la même chose. Et la bonne distance, ça peut être... Alors, après, on peut parler de... Est-ce qu'il faut être empathique avec les gens? Nous, on pense que c'est pas des copains, les gens qu'on filme. On fait pas des tapes dans le dos. On a une relation claire. On vient pour faire des images. Eux, ils acceptent d'être filmés, mais on fait pas de feedback. Les gens sont... Si les gens se laissent filmer, il n'est pas question qu'ils viennent voir le montage. On énonce clairement, dès le départ, la règle du jeu. C'est ça, je crois, avoir la bonne distance avec les gens. Il ne faut pas raconter des pipeaux aux gens. Sauf si vous faites un close-up sur quelqu'un, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais enfin, il faut faire attention à l'empathie. Parce qu'après, vous approchez, puis je vois, moi, beaucoup de films où les gens se sont un peu trop approchés. Il ne faut pas trop s'approcher. Et notamment avec des petites caméras, parce que ces petites caméras sont tentantes, hein, bien sûr.
Et après, on ne voit plus rien. Parce que quand tu t'approches, tu ne vois plus rien. C'est un peu comme les master shots. Quoi. Je veux dire, toutes les cinéastes, il y en a des dizaines, là, les Vincent, les Minelli, tout ça, et toute la bande, là, ils font des master shots. Alors, les master shots, c'est chiant à faire. C'est le plan général avec tout. On voit tout. Mais c'est nécessaire à un moment donné dans le film. Parce que la seule chose que moi, je suis photographe, je vis de mon métier de photographe, j'ai fait du cinéma, j'ai aussi un petit peu gagné ma vie, un petit peu, bien sûr, mais j'ai assisté à tous les montages de mes films. J'en sais pas combien j'en ai, mais disons une vingtaine, et souvent c'est 3 mois, donc j'ai 2 ans, 3 ans et demi de montage que j'ai passé toute ma... J'ai passé mon temps, ma vie, dans une salle de montage. Je ne suis pas monteur, je ne sais pas monter, mais j'ai vu. Et ça n'a pas un avantage, je ne cherche pas à être monteur, mais par contre, j'ai compris. Parce qu'au début, quand j'étais jeune caméraman, je ne coupais jamais, comme un photographe de presse. Et puis le monteur me disait, mais Raymond, arrête. Arrête, coupe. Et puis fais 45 degrés et reprends de l'autre côté. Parce que moi, je vais pouvoir reprendre. Tu n'auras pas perdu, tu n'auras rien perdu. S'il se fait tuer par un tueur, et tu seras là, tu risques rien. Et tu auras gagné au plan. Moi, je vais faire une coupe et tu auras gagné. Et tout le monde va respirer dans la salle. Donc c'est ça aussi, parce que ce n'est pas de la photo. On montre un petit extrait des habitants de 5 petites minutes. Et puis on se retrouve après. Quelques questions et après on fera la dédicace. Parce que je crois qu'il y a... Il y a quand même un peu de monde. Voilà. Du nord au sud, de Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. J'ai aménagé une vieille caravane et j'invite des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes auparavant, à poursuivre leur conversation devant nous, en toute liberté. Ça va être un été mouvementé, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis sûre, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julio. T'es beau. Comme toi. Mais on est complètement l'opposé. À l'opposé. On se demande pourquoi, mais ensemble d'ailleurs. Trop de sentiments, bébé. Trop de sentiments, bébé. Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré. Les machos, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Arrêtez, la ponceuse, je te la tiens. C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge, et moi, ça me met les nerfs. C'est pas dur. C'est la guerre. Je suis un bon psy, ça c'est sûr. Je pourrais faire carrière. Je suis amoureuse. En fait, tu déconnes, non? Non, bébé. Dès que je me suis mis en couple, toutes les filles de Nice y venaient. Ah ouais. Ça fait 40 ans que je suis là, je repartirai jamais. Tu vois, en fait, la Bible, elle change. Oui, les écrits changent, tu vois. Un couple normal, on dort ensemble. On a eu l'habitude de vivre en famille, dans la famille et dans le quartier. On n'a rien inventé, nous. Voilà, on a lancé la caméra, pas trop les impressionner, pas leur demander quelque chose, voilà, surtout pas, parce qu'ils auraient été un petit peu perturbés, et de les laisser un peu... on n'a pas tourné beaucoup, disons qu'une vingtaine de minutes. Bon, voilà, effectivement, il y a 4 minutes qui sont plus fortes que les autres, mais... Voilà, il n'y a pas d'interview. Il y a les sujets récurrents quand même. Sont les, il y a beaucoup de séparations, des histoires d'amour, des familles monoparentales, bien sûr. Et la peur de la solitude. Hein. Il y a d'ailleurs une conversation là-dessus. Et il y a vraiment quelque chose qui est signe du temps aussi. C'est-à-dire que les conversations, ce lien-là parle de la peur de se retrouver seul ou de finir. Oui, l'important c'était qu'ils aient cette moi, quand j'ai fait des photos en Italie dans les années 80, Basaglia, il m'avait dit il faut ne lire rien sur la psychiatrie, sauf un livre d'un sociologue américain qui s'appelle Erwin Goffman, que Bourdieu a édité en France, et qui s'appelle Asile, mais il en a fait d'autres. Puis il a fait d'autres livres, effectivement, sur la façon de parler. Donc c'était un peu notre point de départ. C'est le premier titre. Oui, voilà, c'était un peu le départ. Mais on savait, Erwin Goffman. Mais on savait qu'Erwin Goffman, lui, il avait parlé, bon, parce que c'est un des premiers qui a même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à la parole, comme ça, des gens qui.
notamment des chercheurs de Palo Alto, en Californie, donc, qui ont commencé à parler. Moi, je me souviens, dans les années 60, ils ont été des alliés comme ça. C'était des chercheurs, je ne les ai jamais rencontrés de ma vie. Maintenant, on trouve des livres dans que sais-je. Mais ils disaient, oui, voilà, cette parole est importante parce qu'une personne normale répète 7 fois la même chose. Donc, dans les films de fiction, on ne le voit pas. Donc, on ne gardera aucune trace de ça. Donc, ces chercheurs ont commencé à dire... Une personne normale répète... Cette fois la même chose. Oui. D'accord. Oui, moi, souvent, avec, j'en parle à Claudine, et au bout de la troisième, elle me dit, tu sais que tu es déjà à 3. Et parce que 7 étant vraiment le maximum. Donc, ça veut dire que... Et puis, lui, Goffman, il a parlé du lait frais, comme du parler frais. D'accord. Alors, parce que c'est vrai qu'on peut... Les discours frais. Parce qu'on le voyait, nous, quand on tournait aux urgences, par exemple. Les gens veulent arriver avec les pompiers. Il y a un cas, par exemple, d'un monsieur qui est un chauffeur d'autobus. Ça se passe mal. Il dit, vous n'avez pas de ticket, descendez. Tout le bus prend parti pour le monsieur. Et il a une crise de nerfs. Et vous m'emmerdez. Et pouf, il s'arrête. Le chauffeur s'arrête. Bon. Les pompiers arrivent et tout. On l'emmène à l'hôtel Dieu. Nous, on est là et tout. Et il dit, voilà... Il y a une psy qui arrive, qui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Alors il avait sans doute raconté un petit peu aux pompiers, mais pas beaucoup, pas tout. Et c'est vrai qu'à la psy, on sentait que c'était la première fois qu'il racontait l'histoire. Et c'est nous est tous arrivé à nous, à tous, qui avons une petite histoire dans la vie, peu importe. On raconte l'histoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et à la cinquième fois... On la rajoute ou on la raconte moins bien. Hein? Bon, on a tous été comme ça. Et donc, c'est ça qui dit que le discours est frais. Et donc, c'est pour ça que, quand moi, j'ai fait des premiers films, il y avait un gars, il y avait un professeur d'ethnométhodologie. Et on m'a dit, Raymond, tu fais de l'ethnométhodologie. J'ai dit, ah bon, première nouvelle. Et qui était à Vincennes et qui était après Saint-Denis. Et donc, c'est vrai que c'est magnifique, ce dialogue. Et c'est vrai que... Oublions, nous sommes tous des amoureux de cinéma ici, bien sûr. Il y a des dialogues magnifiques, on le sait, mais de toute l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai qu'aussi, dans la vie, on voit quelquefois des gens, tous les jours même, hein, des gens qui vous disent des choses, ah, c'est joli, quoi. Notamment, par exemple, des Africains qui mettent le français dedans, enfin, peu importe, tous, tout le monde. Et on se dit, tiens, c'est dommage de ne pas le garder. Puis un an ou deux après, tu le vois dans des séries, mais comme ça, à Canal+, je ne sais pas quoi. Mais le gars, il le fait exprès comme un mot un peu... Mais tu l'entends plus. Tu l'entends plus. Et là, tu l'avais entendu. Donc il faut... C'est ça, le problème, c'est dégager l'écoute. Donc en fait, moi, je ne fais que ça. C'est dégager l'écoute dans mes documentaires pour qu'on entende ces magnifiques mots comme ça. Voilà. Ce qui était très malin, c'est de demander à des gens qui se connaissaient très bien déjà. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà commencé la conversation, puis ils avaient l'habitude de se parler. Ils n'étaient pas confrontés à un caméraman, à une équipe, et ils étaient entre eux. Et très vite, le naturel revenait, puisque nous, ils ne nous voyaient pas. Et de ce fait, une des premières projections, je crois que c'est à Orléans, il y a des universitaires qui sont venus et qui m'ont demandé tous les rushs et toutes les bandes son. En disant qu'ils allaient faire un travail de conservation sur la mémoire de la façon de parler des Français, et que d'ailleurs ils voulaient récupérer tous les rushs de tous nos films, et que en fait, mais d'ailleurs ils vont le faire, et que l'idée est de ne pas conserver uniquement les films de fiction, et de faire tout un travail sur la façon de parler des Français. Et c'est parfait, parce que c'est vraiment ce que nous on voulait raconter. Et l'idéal serait de refaire ce film dans 10 ans et de retourner comme ça sur les traces et d'avoir la mémoire de la façon de parler des Français, de quoi on parle et pourquoi, et sans, comme ça tout simplement pour entendre cette musique dans laquelle on vit aujourd'hui, qui sera pas la même dans 10 ans, qui est pas la même qu'il y a 10 ans. Mais quand j'ai, même avant que je rencontre Basaglia et Kaufmann, involontairement j'avais déjà ça en tête, puisque Monsieur Giscard d'Estaing m'a dit, est-ce que vous bien filmez mes discours? Et moi, je ne les filmais pas. Jamais. Je les ai filmés. J'ai filmé aucun discours. Parce que je savais très bien qu'ils étaient écrits par quelqu'un d'autre, un professeur, des professeurs de la Sorbonne, là, tout ça. C'est eux qui écrivent les discours. Ouais. Là, et ça va, vous allez voir, pendant 6 mois, ça va y aller. Oui. Et donc, c'est des discours écrits. Ouais.
Ça vous intéresse Ben non. Parce que Giscard, je l'ai pas piégé. Mon but n'était pas de le piéger. Vous l'avez au naturel, mais c'était quand même de l'avoir parlant comme il parle dans la vie. Et c'était ça qui était intéressant. Parce que c'est ça que... Voilà. Bon, après, même s'il y a une stratégie, cette fameuse phrase, si je prends parti contre... Je vais avoir tous les chasseurs. Oui. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est dit. Et donc, à l'heure actuelle, on voit bien que... Ben, les caméras n'arrivent pas jusqu'au pouvoir. Là, on voit bien, personne ne filme ça. Oui, ou quand elles y arrivent, de toute façon, c'est un scénario. Je veux dire, alors là, j'ai connais plusieurs présidents dans ma vie. Donc ça fait. Mais là, Hollande, c'est encore pire, hein, parce que lui, il se laisse pas faire. Hein, du tout. Je crois qu'il est malin. Il se laisserait pas piéger par un micro. Non, mais il y a des générations comme ça qui sont difficiles à filmer. Et ce sont des gens, soit parce qu'ils viennent de l'écrit, comme Mitterrand. Donc pour lui, c'est la vraie parole, elle vient de l'écrit, quoi, bien sûr. Mais il faut aussi que la parole rentre un peu dans l'histoire. Des questions? Bonjour, vous nous avez raconté tout à l'heure un petit peu votre dispositif filmique pour filmer les paysans. J'aurais aimé savoir votre procédé, comment vous avez fait pour filmer ou photographier les malades mentaux dans les asiles psychiatriques aux urgences. Pourquoi ces personnages vous ont intéressé? Et troisièmement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution sécuritaire, est-ce que ça sera encore possible de faire le même genre de film et d'avoir la même proximité? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Bon, sans trahir ce qu'on va faire, on en fait là, on part dans 10 jours en faire un nouveau sur les malades mentaux. D'accord. On va se faire doubler. Non, mais sur. Oui, je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est une parole qui n'est pas très écoutée par les caméramans, ni par les chaînes, ni par les décideurs. Donc on est encore tout seul, ce qui est bizarre parce qu'effectivement. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, vous avez raison de dire, il n'y a pas beaucoup. Parce que c'est des paroles fortes, c'est des paroles. Elle parlait de l'ambiance sécuritaire. Oui, j'ai bien compris. Mais si vous voulez, aujourd'hui, peut-être il y a des endroits, effectivement, qu'est-ce qui est important? C'est d'être à un endroit où un certain nombre de gens qui souffrent dans la société, il y en a beaucoup, souffrent ou sont dans un virage, dans une espèce d'intersection. Un guichet où, et la caméra est comme une embuscade au fond. C'est nous qui sommes en embuscade. Donc c'est pas personne. Moi je crains personne puisque c'est moi qui suis en embuscade. C'est moi le caméraman. Le caméraman c'est comme un tireur d'élite. C'est comme un sniper. C'est le principe même du cinéma, c'est le snap, c'est de viser. C'est de voir, c'est de regarder. Donc moi, je ne suis pas en position, je ne suis jamais en position, je n'ai jamais en position d'être pris en piège. Moi, c'est moi qui prends en piège les gens. Donc je vois bien qu'il y a plein d'endroits où, effectivement, tout ça échappe. Parce que les gens ne voient pas, ou n'entendent pas, ou ne vont pas, ne veulent pas voir, et ne vont jamais là-bas. Dans les hôpitaux psychiatriques, en ce moment, il y a... C'est vrai qu'il nous faut... Alors, peut-être parce que... Et grâce à Claudine, du fait que je suis un petit peu connu, je peux demander un budget pour faire un film là-dessus. Et je suis obligé, bien sûr, c'est pas facile parce que on se méfie, on n'aime pas ça, mais bon, pourtant c'est important de le faire. C'est surtout parce qu'on filme des pauvres, hein, surtout. Encore, oui. Voilà. Et donc, effectivement, alors chaque film, c'est jamais le même procédé. C'est jamais le même procédé. Je pense qu'effectivement, il y a des après cette révolution des petites caméras, il y a des on voit bien que maintenant on arrive à des limites des caméras en portée dans certains endroits. C'est-à-dire palais de justice, certains endroits d'hôpitaux psychiatriques ou certains endroits de tout ça, d'être en portée avec une petite caméra, ça change plus rien. Ça change pas parce que c'est pas en portée qu'il faut faire le film. C'est au contraire, faut la mettre sur un pied et attendre. Et les gens viennent
dans le champ et vous voilà. Donc c'est l'effet petite caméra maintenant est un peu terminé, à part que ça coûte pas très cher et que tout le monde peut en faire. Ouais, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on va. La même chose que n'importe quel milieu. On m'avait dit que Raymond Depardon n'était pas bavard, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup de. Il faut. C'est une question de. Il faut que vous soyez. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce que moi, je sais que ces gens que je filme, je me retrouve après avec un monteur. Quelque part, je suis obligé, j'ai des contraintes de temps, je ne peux pas tout laisser. Et je ne veux pas non plus les esquinter, les gens. Je veux leur laisser le temps de la parole, le temps de s'exprimer, le temps de se défendre, le temps un petit peu de dire. Même si c'est maladroitement, comme moi, au fond. Mais je suis comme eux. Je ne suis pas... voilà. Je parle mal, je parle comme je suis. Et donc, je fais ça, moi. Je montre les gens comme ils sont. Et je ne fais pas trop court. Alors, voilà, parce que je vois bien que il y a maintenant, on zappe, on va très vite. C'est ça le problème, Nemo, d'aujourd'hui, c'est qu'on veut aller très vite. Oh oui, on a déjà vu ça, Depardon, voilà, il nous ennuie avec ses longs plans séquences et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, effectivement, il y a des jeunes vidéastes qui se défendent et qui se battent un petit peu parce qu'ils savent très bien que. Un plan séquence, c'est le hasard de plein de choses. Une bonne séquence avec quelqu'un qui dit du début à la fin, c'est dur à avoir, ça ne se reproduira pas deux fois. Donc ils se bagarrent après pour qu'on ne les coupe pas trop en saucisson, leur séquence. Mais ça, c'est, je sais, il y a notamment à Montreuil une association qui est formidable, qui s'appelle les ateliers du filament et qui sont tous des caméramans qui ne sont pas journalistes, hein, qui ne travaillent pas pour le journal télévisé et qui sont filmeurs et qui travaillent pour les chaînes comme ça, du câble, etc. Ils sont très demandés, plus ils sont seuls, plus ils sont demandés et il y a beaucoup de femmes et tous les mois ils se rencontrent. Et c'est des gens formidables. Ils font du cinéma direct. Et moi, ils m'ont invité une fois. Moi, je pensais que je ne pouvais pas tellement les aider. Ils m'ont dit si, parce que ça nous sert encore à nous battre au montage pour dire voilà, nous, on ne veut pas couper trop court les séquences. Donc, je leur sers un peu de phare encore. Voilà. On va s'arrêter là, Raymond, en vous remerciant et en vous applaudissant. Oui, mais pas tout de suite. Parce que je tourne. Oui, on dit que je n'ai pas. Merci. Merci. Pour l'instant, je suis dans le tournage. D'accord, merci beaucoup. Donc ça, c'est pour vous aussi. Oui, pour moi, Cécile. Cécile. Et vous apprenez le cinéma ? Oui. Bien, c'est formidable. Moi, j'aurais bien aimé.